pendant la fait lobby, pendant la tenue force multinationale là, bandit n'a qu'à fou continuer chirer mon akbal. T'as coupé des dix ou jeudi soir, mon bochette 99, mon sousco sol nan carrefour. Moun ki habite nan do la piscina ak zone ki environne yo, moun sa yo, yo pat geye la parti facile. Comprenez bien. Ba la pat douce du tout pou moun sa yo. Yo touye un policier nan ma routière. Ba di yo vini, yo touye policier yo ala avec kadavli et yo bay maman policier a bal. Ou kontande? Pendant que nous faisons l'objet nous-mêmes, nous avons fait un Kenya, pas vrai. En passant, je dis que le Canada lui offre un affaire de 80,9 millions de dollars au gouvernement pour force multinationale. Là. L'argent. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, nous souhaitait parler ensemble avec Lula da Silva, donc du Brésil, pour le demander pour intégrer force multinationale. Là. Mais nous connaissons le Brésil, pas rentrer dans quoi d'être ça encore. Parce que pas oublier. Force qui était rentré là en 2004, c'est Brésil qui était dans tête li. Nous tous songe échec. Force ça te prend parce que c'est Occident qui t'a dirigé. Yo pas gagné aucune mission pour te déraciner bandits dans pays là, mais plutôt l'objectif c'était kembe statu quo joint lié là. Brésil pas rentré dans cause ça. Anthony Blinken. Et selon l'information que là, t'assemblée, Bahamas, policier Bahamien, il a préparé, il a entraîné pour qu'il arrive à constituer force multinationale là. Moi, ouais, André Michel qui fait un tweet, il dit SDP bat bravo. SDP bat bravo parce que, et selon ça le constater, selon ça le remarquer, il y a une grosse réunion qui a été faite en faveur d'Haïti jeudi 22 février 2024 là, au Brésil. Parce que il y a un sommet qu'a fait au Brésil, sommet G20, et mais on était tout profité font y parler de situation actuellement là qui gagne en Haïti. Donc possible intervention force multinationale là t'a dû faire. Et là, mesdames messieurs dans l'émission ça, m'a le bon possibilité pour une idée un peu plus claire de ça qui a passé dans quel niveau force multinationale là. Qui côté bataille Guy Philippe là, nous pas capable mander. Ah. Gen moun ki di c'est zen ap chercher le demander côté bataille là. Mes amis, nèg a te ofri nou bataille, hein, nèg a te di nou loyal goumé, et puis le n'ap gade n'ap chercher nou pa wè côté goumé ça a sorti. Certainement faut nous poser question, OK, faut nous mander nan ki niveau bataille Guy Philippe là, parce que n'a pas rappelé tout moun, gen c'est environ 10 agents de sap qui déjà mouri. Ouais, yo dou 5, yo dou 6, y a plus passé 10 agents BSAP qui mouri pour bataille ça. Donc faut que nous connaissons ça passé. Faut que nous connaissons dans quel niveau bataille ça est. Hein? Faut que nous connaissons dans quelle dimension, dans quelle position bataille ça est. Est-ce que bataille ça est toujours réel? D'après de Guy Philippe qui t'a parlé avec Guerry Henry, monsieur bay garanti, monsieur promet tout ça que t'a annoncé yo, parce que pas oublier, moi Jean-Charles te dit n'a craser pays a net après ça na refel tendez oui après na reconstruire c'est ça Moïse Jean-Charles te dit juste pour capable chambarder ou bien pour capable capoter Ariel Henry. Guy Philippe même te dit peuple là yo même y a porté dans primature yo va ca Ariel Henry, yo va passer ca ministre, yo va passer ca oligarque, yo va prendre moun sa yo mettez Ariel dehors, même j'ai un paquet de peuple sous la tête Eiffel tant que peuple Sri Lanka. C'est ça bagarre la télé. Maintenant, poser la question pour demander nan ki niveau ça est, Guy Philippe répond lui dit oui, ça a toujours fait. Ça veut dire jodi an la, moi même avoir qui comprennent son échec et d'ailleurs nous dit ça même nous pas responsabilité nous pour dire, c'est un échec. Équipe Guy Philippe la prend. OK. Guy Philippe dit détrompez nous. Guy Philippe dit la privé quand même. Guy Philippe dit la frapper quand même. Peu importe Jean ça y est, nous mettre attendre. Go réponse qui pral bay. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Content de la caille nous. Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Nous toujours prenons plaisir pour nous partager ensemble avec vous. Actualité ya, maman actualité ya, ça cap dominer actualité ya.
OK, et c'est ça que fait nous toujours inviter ou même qui jouent ensemble avec nous, qui abordent ensemble avec nous. Donc on nous continue à faire là. Donc si vous habituez ensemble avec nous, déjà vous connaissez, premier bagage là c'est partager, comprendre moi, et puis on nous liker, on commenter, et puis moun qui a peine vini yo, donc vous connaissez, faut activer cloche notification pour qu'a toujours rester connecté avec tout ça qu'a dit, avec tout ça qu'a fait yo. Dans Carrefour jodi an là, me souviens ça gagne quelques années oui. Côté me t'a fait des prédictions de Carrefour. Me t'a parlé de ça, me penser, ça moi, ça me prévoit qu'a passer sous Carrefour. Gros fanatique qui était fâché avec moi. Il disait c'est moi mettant d'eau, c'est vrai, même pas foure bouche dans baie Carrefour, mon Carrefour peuple qui paisible, pas gagne qu'elle passer Carrefour. Me dit ami, pas gagne problème. Puisque c'est qu'on soit well, moi-même moi well dans yeux pas, non well dans yeux pas, pas gagne problème. L'avenir dira le reste. Et je dis en là, si je me joins avec monsieur, ou bien si monsieur te joins avec moi, monsieur t'a de honte moi. Ya, monsieur t'a de honte moi. Mais si le son monde qui gagne caractère, t'a campé pour dire, Esdras, mon cher, tu avais raison. Tu as vu juste. Parce que je dis en là, dans le Carrefour, c'est le cap compté, c'est le jour cap compté, pour Carrefour, vin pi mal passé mentissant. N'a yon tout yon policier. OK. Jeudi 22 a, nèg exam rentré la caille un policier dans ma routière, yo touyel, yo al ensemble avec cadavre là pour y al bouler, mais maman policier nèg yo bay bal. Policier Jetro qui gen ti nom Toto on Udmo. Selon information yo fait konnen, c'est nèg Peter yo, nèg ti Peter yo, yo di nèg ti Peter yo ki rentré pour monsieur. Parce que policier Jetro gen lè bay plusieurs nèg Peter bal déjà, donc nèg Peter yo al tirer revanche. Qui dit nèg Peter, dit nèg Chris là, ou comme ça, OK. Et ceci dans ma hautière, donc ma hautière zone ça yo li largement dominé ou bien dirigé, contrôlé même par et les bio de Chris là, OK. Et puis nous même n'a pas une force multinationale lui, m'pa konn se comprendre. Pendant ouais ça situation ça y est l'agent li, nous même n'a pas une force multinationale. Et songez gon velléité jodien là pour nèg yo kembe situation exactement jan li là pour ka justifier la venue de cette force multinationale. Force multinationale qui gagne qui pral gen Bahamas et Bermude, vous comprenez moi, c'est petit pays ça oui. M'dou, jodien là n'ta de honte pour des salines, t'a gardé. Et ça fait qu'on m'a dit dans cadre émission, m'a dit si des salines t'es en loi, faut le ta chevaucher tout haïtien et pendant le chevaucher tout haïtien, faut le ta fouetter yo avant. Parce que nous sommes bonnes sans conscience. Après tout ça, lui-même il fin subi, après toute bataille il fin mené pour le camper en face occident, pour le camper en face blanc, pour aujourd'hui là, c'est nous-mêmes qui fait campagne pour demander blanc pour venir là. Donc pour saboter tout travail des salines t'es fait yo. Nous passons aujourd'hui là intervention blanc c'est li capé de nous sorti là dans sa nuit là. Vous pensez ça? Bon bon faut attendre parce que vous connaissez moi toujours remé faire histoire ensemble avant. M'bral faut attendre Patrice Lumumba de République démocratique du Congo. Non discours monsieur présenté Patrice Lumumba grand travailleur combattant. Monsieur était goumé pour la liberté de la République démocratique Congo que les Belgiques à cette époque te mettaient pied sous couyo et yo goumé yo prend indépendance yo. Eh ben et Patrice Lumumba ensemble avec conseil de moun yo bataille pays arrivé libre. Eh ben yo te offri la présidence à Patrice Lumumba, il te dit non. Monsieur était prend rôle premier ministre. Eh ben président pays, à président République démocratique Congo, li rangé li range ensemble avec on série de nèg. Li range ensemble avec m'quoi wa cette époque wa Belgique là c'était est-ce que c'est pas Léopold. Range ensemble avec Beljo et mais yo assassiné Patrice Lumumba. M'va faut attendre discours Patrice Lumumba. M'a tout enchaîné. Après discours Patrice Lumumba, m'a tout enchaîné ensemble avec Ibrahim Traoré pour montrer ou comme si nous-mêmes nous pas gain sang de saline là. Tenez bien oui. Le Ibrahim Traoré a parlé, il est fier pour parler de Thomas Sankara. La bataille que Sankara a menée pour libérer le peuple burkinabé. Tout comme
la bataille que un homme comme Jean-Jacques Dessalines a menée pour libérer Haïti. Je dis là, ou pas toujours tant d'Haïtiens à parler pour sentir fier de Dessalines. Nèg qui au pouvoir, leur a parlé, ou pas toujours tant d'Haïtiens à vénérer Dessalines. Alors que l'autre pays, yo toujours fier. Yo râle les ancêtres, yo, mais tes ancêtres yo campé, pour yo dire, mais ça, les ancêtres yo te fait. Où est passée notre fierté? Même faut entendre Patrice Lumumba, m'bral enchaîné avec Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré, monsieur, mon bataille l'a mené là. c'est là tout problème moi avec révolutionnaire Bola Kaimwen yo. Révolutionnaire en Haïti, yo nèg bo cathédrale yo. C'est problème ça m'y a avec yo. Imagine Ibrahim Traoré. Monsieur engage le nou bataille comme ça, l'a goumen contre la France de manière directe. L'a goumen contre l'Occident de manière directe. Là monsieur a campé l'a dit, yo la gen nou nan fè noir. Pendant ce temps nous payer. Mais c'est fè noir yo ban nou et la caille yo gen courant 24 sur 24 avec qui ressources qui sorti la caille nou. Hein? Il faut gen cran pour faire déclaration ça yo. Parce que ou connaît quand toi faire déclaration nèg yo gen droit mettre l'oignon en l'air yo gen sniper yo kayou pas ca révolutionnaire ou peur mourir et mais ça crème dit quête men côté quand on nèg tant comme Jean Charles côté Guy Philippe sorti avec cause révolution ça pendant ce temps nèg a campé dit oh comme tu voulais me prendre la ria pour nèg bon mon bal yo touyem et ou dit c'est révolutionnaire pas gen moun ki dit pour tête ou aller à la boucherie mais écoutez leur campé comme ça va faire discours pour montrer que tellement cœur pour vivre ou tellement peur pour vivre si moun pas rentrer dans gendarme zami de pour t'entrer là de pour t'venir là ou t'es tout connait tout ça qui t'est arrivé ou mais seulement c'est route sortez prend c'est ligne sortez prend ou dou pour libérer Haïti ou dou pour faire révolution ou dou pour bataille contre système ça et ben li clairement dit ou c'est assassinat captain nous soit marcher sous fiel yo ou bien ou marcher sous fiel ou même Jean Jovenel te souhaite faire et yo marcher sous fiel Jovenel et ben nous même faut nous parer pour que c'est nous marcher sous fiel yo même faut attendre d'abord Patrice Lumumba Ibrahim Traoré nèg qui gen garçon dans garçon yo nèg qui pas peur occident pas peur blanc malgré yo noir mais yo gon cœur yo campé yo dit même il y a bataille du bec que des ongles bon faut attendre un trêve de parole bon faut attendre c'est quelque cause ici tu congolais congolaise combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux l'indépendance du Congo si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée, et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire. Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui, ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants.
Et pour terminer, je lance donc un appel à tout le peuple de l'AES, à travers vous, pour qu'il reste uni et solidaire. Toute souffrance a une fin. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Et puis, l'offre de ça, où doit un sentiment de révolte? C'est sérieux. Parce que, vous imaginez, c'est un coup nous parcourons l'histoire, nous. C'est étranger à chaque fois qu'après abattre les oreilles ou qu'après dire mes soeurs représentées, mes soeurs. Comprenez bien ça, ma m'dou là. Ou tellement ignorer l'histoire, qu'on y a ces étrangers à. C'est lui-même qui a dit ou voilà quoi faire. C'est étranger qui a dit exactement, mais qui soit doit faire, mais qui action doit poser, mais qui compte pour aller. C'est étranger qui a dit mais soit représenté dans le temps. Hein? Donc, Paul Kagame de Rwanda. Nous se dit, quelle que soit révolution, quelle que soit bataille qu'a faite, depuis bataille la menée à moitié, mais bataille ça, les sujets à l'échec.
Et monsieur dit, cette parole, je l'ai apprise d'un grand général. Et vous avez posé question pour dire, qui fut ce grand général? Et monsieur a répond nous, Jean-Jacques Dessalines, coupez tête boule caille. Et nous, oui, qui par contre, une grandeur Dessalines. C'est nous pas mettre Dessalines à sa dimension. C'est nous pas mettre Dessalines dans le niveau de douéier, oui. Mais Blanc reconnaît oui, qui est-ce qui Dessalines. Blanc reconnaît travail Dessalines de faire, mission Dessalines, non. Dessalines, c'était un grand homme. Il a combattu le bon combat. Au lieu pour petit lio vénéril, au contraire, je dis là, n'a parlé de Napoléon, c'est de Rochambeau, n'a parlé. Comprenez bien, oui? Hein? Quand il y a sous base culture générale, je dis là, qui est-ce qui a étudié? C'est Victor Hugo, n'a pas étudié. Vous comprenez, oui? Qui est-ce qui a étudié, je dis là? N'a pas étudié une série de monde que nous avons mettre au panier de l'oubli, ou bien au panier de l'histoire. Moun nous avons rejeté, oui. Il a fait étudier Corneille. Il a fait étudier auteur français, yo, auteur grec. Yo. Pendant ce temps, n'oubliez pas nous. Je dis là, je dis ici, beaucoup pour un intellectuel ici, un monde qui fait philo en Haïti. Il parle de Thomas Madiou, historien haïtien. L'abdouli, par contre, qui est ça? Comprenez bien? Il parle de Coriolan Ardoin. L'abdouli, par contre, moun ça. Il parle de Sanit Belair. L'abdouli, par contre, moun kon ça. Il parle de Charlotte Marcadieu. L'abdouli, par contre, moun ça. Voilà. Il parle de Yayou, l'abdouli pa kon moun sa yo. Et ben moun sa yo ke yo pa konnen, c'est moun ki te bataille, c'est moun ki écrit page histoire nou jodi an la. Yo caché moun sa yo, y a vann nou, on série de nèg, on bonne pédération, bonne massici, y a vann nou de l'histoire. Les français, les grecs. On bonne corrompu, on bonne pourriture, c'est eux même yo fait n'ap étudier pour nous ignorer histoire nou. Comme on t'a vle jodi an la, pour nous pa nan état nou ye a. Là on fait ignorer histoire nous, vraie histoire nous, origine nous, culture nous. Nous fait négliger, ignorer complètement pour nous vénérer en l'autre culture. Ça va faire nous à travers le monde. Pour un pays à négliger propre culture li, pour l'accaparer de l'autre culture, de culture l'autre peuple. Ça tout fait nous ben pas qu'on a rien dans histoire nous et c'est ça que fait Blanc rend ça avec nous j'en veux. Blanc traîne nous dans la bouche en l'idée de l'île. Ouais, comment y a couru Ariel Henry là? Ariel son chouchou lié dans yeux blancs là. Moun pa ka oser man Ariel non? C'est chouchou blanc lié. Ma koun se comprenne. Ouais, malgré 7 février rivé, yo constaté oui. Yo constaté Ariel n'a rien fait. On est capable de promettre des élections depuis plusieurs mois. Il ne va poser aucune action. Mais autant des blancs continuent de dire, c'est Ariel pour nous Kembe. C'est lui-même qui pourrait être là parce qu'il pourrait organiser l'élection. C'est lui qui a organisé l'élection. Donc d'abord, on doit comprendre plan. On doit comprendre blanc et plan même pour Kembe ou n'en soyez là. Si le cas dit que c'est Ariel qui sauveur. Si le cas dit que développement ou non. C'est dans Ariel lié. C'est le cas du changement, c'est dans Ariel lié. Ou mettre quoi, mes amis? Blanc, il y a un plan pour. Il y a un plan pour le kembe ou dans servitude. Il y a un plan pour le kembe ou dans l'étoile là. Comme faut entendre Franz Duval, journaliste. Je suis parlé avec un journaliste et France 24 sur situation après 7 février. Côté M. Abdi, les 4 vérités. Quand M. Swap expliqué le plan d'Ariel Henry, quand M. Swap essayé expliquer échec pouvoir Ariel là, quand M. Swap essayé expliquer et communauté internationale, parce que dans tête puis le monde dit communauté internationale là, c'est lui même qui a back up Haïti et pourtant c'est eux même qui a plongé Haïti. Où est Canada promet 80 ou quoi Japon pas promet 30 millions bagaille comme ça pour force multinationale, mais c'est même yo même qui campé yo dit y a assisté la police, y a bailler la police moyen pour la police capable indépendant, pour la police capable gain possibilité pour faire face avec bandi yo.
je dis à la soutien des quantités d'argent. C'est environ 515 à 600 millions de dollars. Force multinationale a coûté Haïti. Oui. Tenez bien, oui. Entre 515 à 6 millions à 600 millions. Mais moitié dans comme ça a occupé la police, l'a équipé, l'a occupé. OK? Moitié dans comme ça. L'a équipé l'armée, l'a renforcé capacité yo. Mais non, yo plutôt investi comme ça dans un pays de l'autre pays qui déjà gon rail développement. Kounya la dim sauvle, comment nous allons développer? Après, force multinationale, ça fin passe en Haïti là. Son pays équipe tout crasé. Comprenez bien? Kounya la pour nous remonter. Nous avons des gars, ministre, te fait. Le ministre final, nous avons des gars. Nous avons tout des gars nous gagnons pour nous arranger là. Mais c'est même bagage qui peut passer dans la force multinationale là. Henri aurait joué un rôle dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Comment on accueille ces révélations à Port-au-Prince aujourd'hui? Avec beaucoup de prudence, d'autant que ce sont des informations qui étaient déjà connues. Le New York Times avait parlé déjà en ce sens et un rapport d'un organisme haïtien de défense des droits humains avait fait état. Pour la principale information, des contacts entre le Premier ministre et le principal suspect, M. Badio, qui est en cavale. On savait tout ça depuis des mois à Port-au-Prince et malheureusement, les accusations, les suspicions n'ont pas pu se traduire en acte judiciaire jusqu'à présent. Après ces révélations, Ariel Henry peut-il se maintenir au pouvoir? Ça paraît compliqué, pourtant lui reste en place alors que son mandat était censé se terminer demain, se terminer hier, lundi. Comme je vous l'ai dit, les accusations datent déjà de plusieurs mois. Jusqu'à présent, le Premier ministre a pu passer à travers les gouttes. Les informations sont tombées ce matin, mais ça n'a pas provoqué de remous particulier à Port-au-Prince pour le moment. Tout le monde se demande est-ce que c'est vrai que le Premier ministre était impliqué dans la mort du président. Mais il faut dire que dans la mort du président Jovenel Moïse, c'est l'entourage qui a donné le président. C'est ses gardes de sécurité, ce sont ses propres alliés qui l'ont livré à ses assassins. Et pour le moment, la justice haïtienne, malheureusement, traîne le pas et ça n'avance pas au niveau judiciaire. Au-delà de ces révélations, Ariel Henry appelle à la tenue d'élections sans donner plus de détails, sans préciser de date. C'est une manière de calmer l'opposition. Et est-ce que ça va suffire justement à la calmer? D'ailleurs, elle s'organise comment aujourd'hui cette opposition à Ariel Henry? Tout le problème est là, c'est que M. Henry, ce qu'il a dit le 7 février, il l'avait déjà dit aussi depuis des mois. Ça fait quasiment 7 mois qu'il promet des élections. Mais il n'y a pas de date pour ces fameuses élections. Il n'y a pas de date non plus pour la fin du mandat de M. Henry lui-même. Il n'y a pas de conseil électoral provisoire pour organiser ces élections. Et l'insécurité est la principale préoccupation des Haïtiens pour le moment, avec ce qu'on appelle ici la vie chère, qui est l'inflation, la hausse généralisée des prix. Pour le moment, et l'opposition, et M. Henry, personne ne convainc la population. Et c'est pourquoi hier s'est passé dans une relative tranquillité. Personne n'a gagné les rues, personne n'a manifesté. Les Haïtiens ne disent rien. Pour le moment, ils regardent et l'opposition et le gouvernement en place. Il faut dire que les deux ne sont pas légitimes, les deux ne sont pas populaires. Alors la population attend tout simplement. Et en même temps, comment organiser une transition politique aujourd'hui? Vous l'avez dit, le pays est en proie aux violences, à l'insécurité. Dans certains quartiers de Port-au-Prince, ce sont les gangs qui font leurs lois. Pour le moment, la seule option qui est sur la table, c'est celle proposée par la communauté internationale. Les Américains et les autres ambassades qui sont impliqués dans la résolution de la crise haïtienne, ils proposent un accord des accords. C'est un fameux modèle où on demande à tous les groupes, l'opposition comme le gouvernement en place, de s'asseoir et de trouver un chemin à établir ensemble une carte. Mais pour le moment, et l'opposition et le gouvernement, personne ne fait le premier pas pour s'asseoir vraiment avec l'autre, pour décider des échéances et des modalités. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les choses? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer le processus aujourd'hui? Est-ce qu'il faut une intervention extérieure? Non, pour le moment, ce n'est même pas nécessaire d'avoir une intervention extérieure. Pour le moment, d'abord, il faudrait que la communauté internationale tienne ses promesses. Ça fait des mois, 4 mois, 5 mois qu'on promet des moyens à la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse se colter aux gangs. Mais ces moyens n'arrivent pas. Ces moyens, ce sont des hommes, ce sont des moyens de transport, ce sont des formations, ce sont ce qui manque à la police. Mais la communauté internationale fait des promesses, mais les promesses ne sont pas tenues. Maintenant, pour les discussions politiques, il faut bien que quelqu'un propose un cadre
que quelqu'un se propose comme médiateur dans la crise haïtienne, mais il faut dire que la communauté internationale a déjà épuisé, elle aussi, beaucoup de ses cartes. L'ONU est en Haïti depuis 2004 et l'ONU aujourd'hui n'est pas crédible en Haïti. L'Organisation des États américains est en Haïti depuis des années, mais n'est pas crédible non plus. L'Église catholique en Haïti, à un certain moment, s'était prêtée au jeu d'être le médiateur. Cela s'était mal terminé et depuis, l'Église ne se propose plus. Le problème, c'est qu'on a un déficit médiateur, un déficit d'envie de la part de la classe politique pour se parler. Merci beaucoup, Franz Duval, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur la situation en Haïti dans l'actualité. Mal faut tendre on aigle. Esaü César. En pile là, nous condamnons qui c'est bête inontigeant, etc. Mal faut tendre, monsieur. Côté monsieur fait lobby pour gouvernement Martelly-a. Martelly la motte. Mal faut tendre, monsieur. Non, environ une minute. Ça dit c'est pas trop long. Monsieur dit, sous gouvernement Martelly Lamotte là, ou bien ex a quitté le pays avec zéro cas de kidnapping, pas de insécurité. Et monsieur arrivé dans le moment côté, monsieur longe doit, monsieur dit, c'est pas bagarre ou jeune facile côté, et Reginald Delva, Laurent Lamotte, n'a yote arrêté yon mulat qui se Clifford Brandt. Bon, m'di deux mots sous ça, m'a pas prêté en pile, m'a dit deux mots, avant m'faut entendre monsieur. D'abord, Esaü César, monsieur fait fausse route. Monsieur voé dehors. Écoutez. Oui, sous Laurent Salvador Lamotte, Joseph Michel Martelly. Laissez frapper qui gagne là en gang rivo yo pas de gagne. Mais ça pas veut dire pas de gagne zam. Tendez bien ça pas me dire. Litige qui gen là, côté chaque groupe gang bon côté pa yo, a boukante coup de balle, etc. Mette moun de yo, oui, pas de gagne sou nek sa yo. Et ça pa vle di pas de gagne zam. Pas oublier sous plateforme zam toujours rappelé ou. Nek yo te goun programme yo, il est 4 pas me poser. Côté Laurent Salvador Lamotte, premier ministre, Joseph Michel Martelly, président, Thierry Maillard Paul, ministre de l'Intérieur. Nek yo investi gros l'argent. Et c'est nèg ça eux même. Bon, nèg comme si nous nous prenons tout pour imbécile, comme si nous même nous pas connait ça qui t'a passé yo. C'est nèg ça qui bail bandi, qui bail bandi notoriété yo gen jodi a la rue. Dans programme 4 c'est pas me poser, nèg yo bail bandi yo gros âme et c'est même nèg ça yo, Laurent Salvador Lamotte, Joseph Michel Martelly, c'est eux même qui te bail chaque bandi ça yo on Galil. Yo bail Chris Layoun, yo te bail tête calé youn et pas tête calé c'est nan mais ti l'appli actuellement là. Nèg yo prend nous tout pour imbécile. Tendez bien. Dans quatre programme 4 c'est pas me poser, nèg yo bay bandi sa yo licence pour yo fusier tout petit volé dans zone nèg k'ap volé tennis, nèg k'ap volé téléphone, nèg k'ap monter bouse moun, nèg k'ap volé machine et radio machine. OK? Nèg k'ap rentrer la caille moun volé tennis, volé soulier, volé jeans, volé green mayo. Nèg sa yo yo ba yo possibilité, yo ba yo accès, yo ba yo fever pour yo fon tête ti moun sa yo ak bal. Pendant ce temps yo même, y a fait gros coup. Yo pral craser banque, y a craser bureau transfert. Et des sous même Martelly a oui, et des sous même la mort la oui ak sou sa yo. Et puis laissez-moi vous dire, pendant monsieur veut faire comprendre pas de groupe gang sous Martelly la mort. Et Bas Galil, Martelly était gros chef dans Bas Galil, côté sous son la familia. Qui t'a ferraillé dans le dos Martelly ensemble avec la mort? Monsieur, pas au courant de ça, yo. Nous comprenons que vous payez pour faire un job. Mais pas prendre nous tous pour imbéciles. Parce que nous tous, c'est haïtien. C'est l'ande. Et à terre, l'ande. Nous connaissons tout le monde. Je vais vous entendre, Esaü César. Vous ne pensez pas que vous avez fait parole sur lui. Soit administration Martelly la mort là, sécurité totale capitale. Zéro kidnapping. Et moun sa yo, yo quitté tête police là. Yo quitté tête primature, à savoir la mort, yo quitté espace là de service public à zéro kidnapping. Reginald Delva, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministre intérieur, monsieur Maré, yon nan gros chef gang dans le secteur privé à Brat. Pas vrai, non? En pile nek tout a baissé tête devant ti rouge. Reginald Delva, ancien officier de l'armée d'Haïti, mais monsieur Marie Brandt.
une promotion dans la police qui était relé Edna Comé, deuxième chef gang ça. Et promotion, il dit inspecteur de police. Monsieur allié là avec Brant. Vous comprenez? Comme si monsieur voulait montrer nous sous Martelly avec la motte pays a pas jamais sacré les gangsterisation gang yo te entend yo parce que yo te gen l'argent en main yo. C'est à partir de Martelly avec la motte gang yo vinn senti a fait question gang a sa pat la pas gagne encore nèg yo vinn senti yo ka riche yo ka millionnaire parce que c'est gros l'argent ministère de l'intérieur t'a débloqué pour nèg ça yo à chaque fois. C'est sous gouvernement Martelly la même oui bandi yo vinn prend toute indépendance yo gagne indépendance financière yo gagne parce que avant ça nèg yo c'est ti voleur yo ti bandi yo té oui. Je viens de faire comprendre à cause programme comme si Martelly avec la mort c'est nèg qui té kembe pays a bon dou Clifford Brant nèg yo qui nèg yo arrêté a yo va la capable arrêter Clifford non pas arrêter Clifford t'a voulu dire tout simplement que c'est yo même yo t'a pas arrêté oui. Vous ne pas connaît Clifford tellement est un monde que le pas demain. Clifford dépasse limite F2X li. Clifford a kidnappé la famille Moscoso qui c'est un gros responsable Soje Bank qui pas un haïtien. Nous songe Kaoli. Coralie Moscoso. Mais c'est ti moun sa yo. C'est la famille Moscoso que Brant a attaqué. La mort est devant un dilemme. S'il pas arrêté Clifford Brant ou pas contre ça que t'as privé lui-même. N'a pas prendre tout pour imbécile parce que c'est là nous y est. Nous fait histoire, nous connaît, nous connaît bagaille, nous connaît ça qui passe yo. Yo pas nous tout pour idiot, yo pas nous tout pour imbécile, tant que ça qui passe là yo, nous pas au courant de yo, nous pas connaît yo. Mais gen cause toujours n'est qu'à dire. Yo bon font job zanmi content au fait job là. Mais pas prendre tout pour imbécile. Pas vinn innocenté gouvernement Martelly la mort là. Pas vinn innocenté, on est tant coup la mort. Comme quoi nèg ça était tellement clean. Même chaque fois m'entendé la mort a parlé sous lui, c'était zéro kidnapping, pas de la guerre des gangs etc. Oui, nous tous nous conscients de ça, mais kounya c'est comment formule là qui salté? Est-ce que c'est pas gros l'argent te bay? Est-ce que c'est pas silence nèg yo te acheté? Ou la gè l'argent en main yo? Pendant on baye aux âmes et pour dire gérer quartier ou mais ça qui passé et puis qu'on dit m'bat gen guerre et cetera oui bat gen guerre des gangs parce que t'es qu'on gérer gang yo toute gang t'es sous payroll. Je dis à la nèg yo vinn prend goul argent nèg yo dit bon OK désormais on pas travailler pour nous encore y a travailler pour tête yo y a bay tête yo indépendance y a bay tête yo liberté et puis je dis là ou la gè comme ça attendez an gapé là ay nèg yo pensé yo ka ba nous n'importe bagay. Tant que nous-mêmes nous pas connait histoire pays nous, tant que nous-mêmes nous pas connait ça qui a passé yo. Fils du ghetto. Nous connait tout ça qui a passé. Nous vivions, nous connait yo. Restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs. Haïti réflexion c'est notre channel là. N'a toujours pour un plaisir oui pour nous éclairer l'antenne nous. C'est ça oui responsabilité pas nous. Hein. OK? Là yo sorti pour la gou nan fait noir nous-mêmes nous là pour nous dire mais qui ça bagaille là mais qui ça doit faire mais qui direction doit prendre mais qui route ou doit suivre. Restez connectés ensemble avec nous. N'a croiser prochainement pour l'autre vidéo.